est venu dans ma chambre? C'est parce que ma femme est là. Je ne sais pas de ma femme la nuit. Et là, je suis en train de faire des tas. Aurel! Madame! Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Je vais prendre mes médicaments. Tu as fini de faire manger? Oui, c'est bon. Je vais vous faire manger, madame. Non, merci. Non, madame, me sortir. Non, c'est bon. Après, je vais manger. Ok. Chérie, je ne voudrais pas que qu'on aille dans la chambre pour ça. Je suis fatigué. Je t'ai vu que je suis fatigué. Je suis tellement fatigué. Je ne peux rien faire. Bébé. Je suis fatigué. Tu me dis ça tout le temps. Ça devient une habitude. Non. Le chambre, c'est trop mignon. Tu fais quoi encore là? C'est quoi? Tu as quoi? Elle vient de partir. Tu me poses la question. Donc tu trouves ça normal quoi? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc jusque là tu ne sais pas ce que tu as fait. Hein? Et en ma présence, elle se permet même de te dire à mon retour, on va faire un coup. Bébé, tu m'as touché il y a longtemps. Tout ça là, ça signifie quoi? Tu pourrais pas lui interdire ça? Après, tu sais ma femme, non? Et puis quoi? C'est ta femme, malgré ça, c'est moi, je prépare la maison. C'est moi qui garde la maison. C'est moi, je te fais tout. Et tu me dis que c'est ta femme. Tu n'es pas là, qui assume? Moi, je t'ai promis que je vais t'engager, un jour, je vais te marier, mais c'est pas encore le moment. C'est pas encore elle le moment. Elle est ma femme, on a des enfants. Ok. La vie n'est pas compliquée. Moi, nouvellement, on arrête tout. Comment on va arrêter? Quand tu seras prêt, là. Non, comment je suis pas prêt? Moi, je peux faire tout pour toi, non? Je sais quand toi. C'est que Molo Molo, là, on le devient quelqu'un. C'est bon. Alors, ne tu pas dire à toi, lève-toi, on a fait un coup. Ce que j'ai fait hier, nuit, là, ça t'a pas suffi? Non, ça n'a pas suffi. Ouais, ça va. Ça va. Tu crois qu'il y a quoi? J'ai quoi comment? Hier, tu es venu dans ma chambre. Mais tu sais que j'ai promis à ma femme que je vais rester avec elle ce soir, non? C'est parce que ma femme est là. Je ne reste pas de ma femme la nuit. Et puis, où est mon problème dans tout ça là? Mais je ne t'ai pas encore officialisé. Quand je sais que tu ne m'as pas officialisé. Ok, si c'est ça, on arrête alors de... Comment, pourquoi chaque fois tu me parles toujours d'arrêter les choses? Mais moi, tu ne veux pas écouter ce que je te dis à chaque fois. Il est temps que moi-même je me décide. Alors trop, c'est trop. Il faut que tu te calmes. Soit tu prends la décision de m'officialiser en tant que ta seconde épouse. D'ailleurs, même là, je ne me prépare pas dans la maison. J'allais rester tous affamés. Tous affamés. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Si tu peux la supporter, ça ne veut pas rien. Elle peut me faire quoi? Elle peut me faire quoi? Tu oublies qu'elle... D'abord même là. Et puis quoi? Ne sois même pas étonnée. Si. C'est quoi? Je suis prête à l'éliminer. Je vais finir avec elle parce que là, je suis fatiguée. Hey, je ne suis pas d'accord. Je vais l'empoisonner. C'est ma femme. Hein? C'est une promesse. Soit tu te décides ou je l'empoisonne. Je l'élimine. Non, tu sais c'est quoi, bon? Ce qu'on va faire. Il faut ne me touche pas. Il faut que tu te calmes. Je suis prêt à tout faire pour que... Regardez. Je suis prêt à tout faire pour que toi et moi, on soit dans cette maison. Tu es ma femme, tu es ma deuxième femme. Mais si elle ne veut pas, elle va quitter. C'est ça. Je sais pas, je sais qu'elle va quitter. Non, il faut enlever ça dedans. On va le voir. Elle est la mère de mes enfants. Oh, il faut enlever ça dedans. Ce soir, regarde, ce soir, c'est toi et moi. Toi et qui? Ce soir, c'est toi et moi. Oh, ma chérie, viens. Tu sais, je t'ai promis que je vais te marier un jour. On a tout le temps, regarde. Comment est-ce que j'ai fait là? Je vais tenir ça. Tu as dit ça maintenant là, il y a longtemps. Mais toujours est-il que je ne vais jamais finir. Aurel. Oui, madame. Oui, madame. Apporte-moi de l'eau à boire, s'il te plaît.
fais quoi? Bon, madame, des pressions qui n'a été accusée. Ok, d'accord. Madame, vous allez bien? Madame? Madame, vous allez bien? Monsieur! Oui, c'est quoi? Monsieur, venez vite, s'il vous plaît! Madame! Madame! Ah. Il se passe quoi? Madame! Hein? Chérie? Chérie? Hey. Tu m'avais quoi? Chérie! Hey. Madame! Hey. Chérie, appelle l'ambulance! Mon téléphone! Chérie! Monsieur, bonne arrivée. Et madame. Monsieur, madame, comment vraiment, elle va? Ça va un peu mieux. Elle est là avec ses parents. Comment, ça s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je t'ai refusé de ne pas faire quelque chose. Pourquoi tu as fait ça? Surtout, après tout, elle est la mère de mes enfants. Surtout, ce que je lui ai rien fait. Je lui ai juste donné de l'eau. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Comment tu n'as pas compris ce qui s'est passé? Je lui ai rien fait. Oh, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Mais comment elle peut tomber seule comme ça? En buvant de l'eau, comment elle peut tomber seule comme ça? Non, mais j'ai pas compris, c'est ça qui m'étonne. Sinon, je lui ai rien fait. Je t'avais refusé ça, hein. Je t'avais refusé de ne pas faire ça. Moi, je suis parole, je lui ai rien fait. Qu'est-ce que ça me coûte, enfin? Je lui ai rien fait. Mais elle est ta rivale, non? Mais je lui ai rien fait, je te promets que je lui ai rien fait. Tu peux me croire. Il y a rien là, je peux manger. Ouais, je lui avais servi du riz avec de l'œuf là. C'est qui? C'est moi. Oui, je viens. C'est qui? C'est ça, vous? Oui, ça ne va pas du tout. Hein. Donc, tu as pu ce qui s'est passé aussi? Oui, je viens de l'hôpital comme ça. Ah bon? Le docteur a dit de venir signer le papier, mais ça ne va pas. Elle est entre la vie et la mort. Vraiment, c'est grave. Oui, mais on peut aller en même temps, non? Non, moi je dois attendre d'abord. Je dois faire quelque chose. Il faut que je fasse ce que je fais d'abord. Ok, il faut que j'aille pour venir aussi son oncle. Il y a l'oncle là-bas? Oui, non, je viens venir là-bas. Ok, tout à l'heure. Viens pas ici, moi je vais te dire quelque chose. Tu me fais quoi encore maintenant? Oh, je te dis, je suis enceinte de toi. Depuis quand? J'ai fait le test aujourd'hui. C'est positif. Tu vois comment Dieu fait ces choses? Ah ouais? Donc elle est partie? À peine. Oui. Donc toi, tu portes mon enfant maintenant? Oui. En même tu sais ce qu'on va faire? Mm-hmm. Toi et moi. Hein? Hein? Donc toi tu n'étais pas morte. Pourquoi? Ne sois même pas étonnée. Si. C'est quoi? Je suis prête à l'éliminer. Je vais finir avec elle parce que là je suis fatiguée. Tu ne suis pas dans. Je vais l'empoisonner. C'est ma femme. Hein? C'est une promesse. Moi n'est pas là pour faire truc là. Hein? Oh. Bon ménage à vous. Hein? Ça, on en fait au paradis. Amusez-vous bien. Mais, là quoi? Tu as fait quoi? Aïe! Attends, Rila, c'était pour qui? C'était pour madame. Et, elle a mis quoi dans le riz là? Qu'est-ce que tu l'as fait? Il y avait du riz. Et de l'œuf à la cuisine. J'ai mis un peu de poison dedans et j'ai déposé avant de faire semblant de m'évanouir. tu les as empoisonnés. Ah, oncle, j'ai été plus rapide que. Sinon, c'est moi qui allais mourir maintenant. Ah, oncle, pardon. Quel père. Bon foyer à eux. Ah. Ils vont lui là.